بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين، أما بعد، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Parfois certains chrétiens, je dis bien certains, essayent d'innover pour essayer d'attirer les gens vers leur paroisse. Et c'est le cas ici, donc, d'un prêtre sûrement, alors je ne sais pas, je dis ça comme ça, copte ou maronite, ou ainsi de suite, en tout cas, qui parle arabe, et qui va nous faire un adhan, mais façon chrétien. Alors attention, je vous préviens, c'est du lourd, donc on va entendre le nouvel adhan. On va décrypter ça. Bismillah. دار المسيح وحق دار المسيح وحق دار. Quand on fait l'adhan, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar pour commencer. Alors, pour imiter l'adhan musulman sans pour autant l'imiter à 100%, on va dire Allahu Akbar, ils vont dire Al-Masih Akhdar. Masih, celui qui est plus capable, d'accord ? À la base, Allahu Akbar. Alors pour l'instant, ça va. Ashhadu an la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Dieu. Alors qu'en réalité, ils associent, comme vous le savez, plusieurs dieux. Parce que le Dieu, parfois, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. D'accord ? Donc ça dépend ensuite des différentes catégories de chrétiens. Donc là, en vérité, ça tient pas la route. Donc j'atteste que le Messie, c'est lui Dieu. Voilà ce qu'il dit. Et j'aime bien quand il lève les deux doigts, là. C'est bien. J'aime bien ce signe MDR. Donc nous on dit Hayya al-Salah, Hayya al-Salah, as-salatu khayrun min an-nawm. Donc vers la prière est mieux que le fait de dormir quand c'est la prière du Fajr, parce que la prière du Fajr, là maintenant ils ont tourné ça en Hayya al-Khalas, venez donc pour être sauvé, d'accord, car le fait d'être sauvé, d'accord, d'être épargné, c'est mieux que la mort. Donc là, nous on dit Hayya al-Falah. Donc lui, il a dit. Alors, je ne sais plus ce qu'il a dit, excusez-moi. Donc, Hayya al-Salah, venez vers la prière, venez vers. La victoire, ainsi de suite. D'accord ? Le fait d'être sauvé. Donc le Messie est plus pur. Après avoir dit Messie ou Akhdar, donc le Messie est plus pur. Bah, franchement, l'image, là, c'est pas tentant, elle fait flipper. Hein. Je sais pas si, je sais pas celui qui a dessiné la photo, mais là, il était mal inspiré. Hein. Je dirais plutôt un mec. Bon, laisse tomber, je peux vous dire quelque chose, j'ai peur que ça passe pour une moquerie. Illa hu
Oula, ça part en vrille là. Oula là, oula là, oula là. Voilà. Là, ça part en vrille là. Mais ils utilisent des images de mosquées, ainsi de suite, alors qu'ils appellent les gens donc à considérer le Messie comme Dieu, ainsi de suite. Les mélanges pour attirer les gens, pour ancrer l'ambiguïté, des images de mosquées, de la Mecque, comme vous avez dit alors, du Rajm, là où on jette les pierres, ainsi de suite. Non, c'est tout des formes de tawhid, mais au lieu que ça soit le Dieu que nous adorons, ce Dieu qui rien ne lui ressemble et qui n'est pas comparable aux humains, là il s'agit pour eux en l'occurrence du Messie, d'accord, donc de Isa alayhi salam, qui était un prophète bien sûr et non pas Dieu. La méchante zik. Donc venez vers pour être sauvé, ainsi de suite. Alors je sais pas, on doit aller où? Parce qu'au Liban, c'est pas trop ça. Ah là, ça part en vrille. Hein. C'est passé de l'Aden à... Donc le Seigneur des Seigneurs qui vient sur une nuée. Donc là il parle de Jésus. Et bien sûr Isa alayhi salam est bari de ceci et est responsable de ce qu'ils lui ont mis sur le dos. Parce qu'ils considèrent aussi que parmi les gens qui suivront Isa vers la fin des temps, ils seront sauvés et surélevés dans les cieux, d'accord, et tout le reste de l'humanité va être dans des tribulations, va mourir de guerre ou de grandes catastrophes, ainsi de suite, à l'exception de 144 000 élus, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'aime bien avec les deux doigts levés, c'est bien ça. Ça fait penser aux deux cornes d'Ator, au Signoka, du Qarin. Voilà, hein. Symbole qu'on trouve les cornes à la Mecque, ainsi de suite. Bon, en espérant que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir. Donnez votre avis, ainsi de suite, même si franchement, je pense que c'est plus ironique qu'autre chose. Et, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Je vous remercie donc pour votre écoute. بالتوحيد يا أختي المدنية الله أرجوك بالتوحيد يا أختي المدنية إن كان ما سوى هذا منتهى